les paroles qu'on voit en fait dans le film, c'est un peu une continuité qu'on va voir avec nos intervenants ici, mais c'est juste des gens qui disent des choses qui sont fortes. Inspirantes. Voilà, tu as tout compris, c'est bon, on peut y aller. Je voudrais aussi remercier nos partenaires, ils nous ont tout de suite dit oui, nous ont aidés même à financer ce projet, et je voudrais aussi leur dire merci du fond du cœur de nous avoir suivis dans cette aventure. Quand vous avez une forêt primaire telle qu'elle a été créée par Dieu ou par la nature, comme vous voudrez, avec des arbres de 80 mètres de haut, ces forêts-là, elles sont on ne peut pas les faire repousser. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas, en repousse, avoir une forêt primaire telle qu'elles étaient à l'origine. C'est vous dire que c'est un trésor de biodiversité, de médicaments potentiels, de toutes ces choses-là disparaissent à jamais. Nous, les citoyens, comme dans ce film, oui, nous pouvons changer les choses. Si nous parlons, si nous observons et si nous communiquons, on peut effectivement faire bouger les lignes. Nous aussi, on a eu notre inspiration. Et notre inspiration, c'était la Fondation pour les chimpanzés sauvages, la WCF. Des gens qui sont venus de très loin pour venir sauver une forêt. Nous qui étions juste à côté de la forêt, et ça nous a fait prendre conscience. Et depuis là, cette organisation-là nous a formés, nous a encadrés pour qu'aujourd'hui, on soit à ce niveau-là. Donc, il faudrait beaucoup plus de tourisme écologique dans le Cavali, dans la forêt de Taï et toutes ces choses-là. Bon, voilà. Et à partir de là, si ces populations gagnent directement et se sentent valorisées, tout ce qui va arriver comme message après, ils seront déjà prêts à l'appliquer. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas nous qui allons sauver la Terre. Ou plutôt, si on la sauve, c'est pour se sauver. La Terre n'a pas besoin de toi. La Terre, elle a vécu avant, pendant et après les dinosaures. Et elle est encore là. La Terre va vivre après toi et moi. Elle va rester. Il faut croire à ses rêves. Il n'y a pas de petits rêves et de grands rêves. Il y a des rêves tout simplement. Vous allez commencer votre règle, vous allez trébucher, vous allez tomber, il faut vous relever. Vous allez pouvoir réaliser votre rêve et en réalisant votre rêve, vous allez vous épanouir personnellement. C'est que, parce que quand on sait, on sait. Et on ne peut pas retourner à l'état de non-savoir. Donc finalement, je pense que moi, je crois qu'on est tous les mêmes, on fait tous partie d'une seule être. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ça dans différentes façons dans le film. Mais donc pour moi, il n'y a pas toi ni moi, il n'y a que nous. Merci à tous. Et on espère vous revoir pour la deuxième édition.